C'est entre Lecour et Messenger que ça va se passer. La première mise en jeu, c'est fait. Bon après-midi, gagné par Lecour. Et ça va profiter à Ouimet, qui tente de s'amener. Ouimet en compagnie de Arsenault, lui refile le disque. Arsenault devant le filet, le tir, et c'est l'arrêt de Cadorette. Les changements s'opéraient au banc des siens. Rondelle qui est bon du centre, et c'est Mimard qui va s'en emparer. S'avance le tir, et l'arrêt de Leclerc qui ne cède pas de retour là-dessus. Bien joué. Mise en jeu en remporté, ce sera Sorette. Et les deux numéros 5, en fait, O'Neill et Sorette. Ouais. Vendredi avait engagé le combat et à nouveau ce soir. Et là, c'est Sorette qui revient avec la droite. Et O'Neill qui porte une gauche. Et finalement, bon entourage des deux équipes, entourage de joueurs. Et là, finalement, Sorette qui, en personne droite, chute par monsieur O'Neill. C'est son coéquipier Lecour qui a été le premier à devancer le défenseur adverse. Ça lui revient, Lecour. Relais pour Carpentier dans le tir. Le but marqué par Rattel. L'échange tic-tac-toe. Lecour à Carpentier. À Rattel, c'est 1-0 Tetford. Minute 2 à faire à la première période. 1-0 l'assurancier qui a pris les devants. Pendant que Pocoloc transporte. En territoire adverse, contourne le défenseur. Le tir, ça, et c'est le but! Oui. Je croyais que ça avait touché l'extérieur du filet. On a laissé manœuvrer Sacha Pocoloc et il crée l'égalité. Et lorsque Medley touche au disque, l'officiel pointe en direction. Le Medley, là, il veut engager le combat avec Gamelin. Il y a Lozier également qui vient s'en mêler. À la pointe, du côté de Daou, beaucoup de circulation, toujours pas de bâton pour Cadorette. Le tir du poignet, le tir, le but est marqué par Messenger. 2-1, les deux buts en avantage numérique. Ouais. Il est à peine entamé, on est en première période. Ouais. Donc, 11 buts concédés à l'adversaire lorsqu'on se retrouve en infériorité numérique du côté de l'assurance. Je reprends le tir, Lozier, l'égalité est créée. Ça semble avoir été dévié devant le filet. Avec le rapide Alexandre Tremblay. Le relais pour Mimard, le tir par-dessus le filet. Encore une fois, Pierre, on avait battu Leclerc sur cette séquence-là. Ouais. Petit d'Abrec, c'est fait. Lozier entre, cède à l'Abrec, tire. Et l'arrêt de la mitaine de Francis Leclerc là-dessus. Ce sera Medley et Simon Bourque. C'est lui, Bourque, qui saisit le disque. Le laisse pour Lecour, qui s'avance. Lance, le tir. Et c'est le but marqué par l'Abrec. Oh, on a remis 8 secondes. Lecour qui saisit, échappe à la belle. Lecour, il est menaçant. Tente un tir bloqué par Gamelin. Et vers Rattel cette fois. Rattel alors que le mieux est positionné devant le filet. Oh, c'est le but! Décoche un tir. C'est Don qui contourne le filet. Tente de surprendre le gardien. La rondelle est libre. Bourque cherche une option. Encore 23 secondes à l'avantage numérique. À Lecour qui revient de l'arrière. Le tir. Le but marqué par Labrec, son deuxième. Et une quatrième passe pour Maxime Lecour. Ça a effleuré le masque protecteur de Cadorette. C'est un tir haut. Le retour de Pocoloc. Le tir, le but du revers marqué par Gamelin. À son premier match, premier but dans la Ligue nord-américaine. Pierre Lassurantia qui a souvent cette fâcheuse habitude après avoir pris une avance. 23 secondes découlées à l'avantage numérique. Simon Bourque. La remise pour Carpentier. Tente de déborder le défenseur. C'est fait. Travaille sur son revers. Revient devant le filet. Le tir. L'arrêt de Leclerc. Le jeu qui se poursuit toutefois dans le coin. Lozier qui remet à Tremblay. Un contre un. Tremblay déborde. Brouillard. Le tir du revers. Et c'est l'arrêt de Leclerc. Relais pour son coéquipier Messenger. Mais c'est finalement Bourque qui s'interpose. Et à deux contre un, on s'amène avec Lemieux et Bourque. Lemieux le tire. Bourque sur le retour. Le marque. Le sixième de l'assurancia. Ah, une belle pièce de jeu, Mario. Et un joueur n'a plus de bâton. Labbé à la ligne bleue. On va tenter de l'exploiter. Avec Tremblay au point d'appui. Derrière le filet maintenant. À l'embouchure, le tir de Lozier. Et c'est le but marqué par Christophe Lozier. Quelle récompense. C'est lui qui a procuré cet avantage numérique. Victoire de l'assurancier de Tetford cet après-midi face au Pétrolier du Nord. Par la marque de 7-3. Et ça procure 3 points. En tête du classement de la Ligue nord-américaine avec un seul week-end à faire. Exactement. Ce sera deux matchs contre les Marquis de Jonquière. Et comme tu le mentionnais, ben...